Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui vous allez peut-être reconnaître ce conte. En fait c'est le conte de Missoa qui avait été gagné par Tigresse il y a déjà maintenant quelques jours. Et elle a reçu des messages intéressants et du coup elle m'a proposé de faire une vidéo sur ces messages là. Et enfin sur ce message là, sur cette personne en particulier. Moi j'ai pas vu la totalité de la conversation mais on va aller voir ça ensemble. Bon, alors apparemment c'est cette personne là. On va aller voir ça. Message, voilà. Allez vous abonner à la chaîne de KZ YouTube, merci. Ah, le chat m'attaque. Allez le chat, tu descends. Allez, tu descends. Ok, alors je vais monter tout en haut au début de la conversation, donc je ne regarde pas, voilà. Alors coucou, je peux aller sur ton compte voir s'il te plaît, KZ m'a demandé de te demander que j'aille vérifier quelque chose car je suis son acolyte. Alors c'est mon acolyte, j'ai des acolytes, j'ai l'impression d'être la Team Rocket dans Pokémon. Bon déjà la première phrase, hein, honnêtement je te dis, je sais pas c'est qui se cache derrière ce pseudo, derrière la roqueuse. Mais si t'envoies déjà en mode kikou majuscule, coucou je peux aller sur ton compte voir s'il te plaît, STP, bah déjà dis-toi une chose, c'est que ça ne fonctionnera pas parce que c'est écrit de façon trop kikou pour que ça fonctionne. C'est trop gros. Et ensuite... Tigresse hein, qui avait gagné Missoa. Oui, c'est quoi? Quelque chose, il me faut ton mot de passe, s'il te plaît. KZ m'a demandé mot de passe. Alors, on avait compris mot de passe. Et elle demande, t'es sûr? Ouais, elle m'a demandé de te dire, faut que je vérifie à sa place car elle n'a pas le temps. Ah bah oui, c'est bien connu, la KZ, elle n'a pas le temps. Fait que tu il faut que tu vérifies quoi? Dis-moi ce que tu dois vérifier et je te dis. Elle m'a dit de rien dire, lol. Ah, t'es sûr? Oui, elle m'a dit, fais-moi confiance. Donc, je dois te dire quoi? Ton mot de passe. Ton mot de passe. T'es sûr? Tu es Lalo, je suppose. Tu peux me l'avouer, je dirais pas. Bon, bref, tu me dis quand je te le dis. Ah, effectivement, parce que... Oui, c'est bien connu que Lalo, c'est mon acolyte. Hein. Enfin, bon. Elle répond, du coup, oui, c'est Lalo, mais KZ m'a dit de rien dire. Il faut que j'y aille quand même. Réponds-moi. Je te le dis mardi, j'ai des bugs de co. Non, maintenant. Lol, KZ m'a dit maintenant. KZ m'a dit maintenant, réponds. Lol, non mais c'est quoi ça? En plus, elle pleure. Ça fait trois kikou, c'est pas possible. Ça peut pas passer si tu demandes comme ça. C'est non. Et ensuite, on descend. Elle te fait quoi si tu le fais pas? Bah, d'ailleurs, pourquoi je te le dirais? Elle m'a dit de rien dire, lol. Mais même ça, elle peut pas répondre. Oh, ok, dis-lui que je peux que mardi et je te le dis mardi, s'il te plaît. Non, elle voudra pas, désolé. Il faut que tu me dises, sinon tu peux me faire VIP. Non, mais lol, c'est quoi ce délire? Ah non, mais elle a osé quand même, hein. Elle a osé. La colique de la KZ a osé demander un VIP à une personne qui venait d'en gagner un sur ma chaîne. Lol. Non, mais lol. Pourquoi te mettre VIP? Parce que ça fait au moins 10 ans que je veux être VIP, mais mes parents ne veulent pas. Alors ça fait pas 10 ans que le jeu est ouvert, hein, existe, hein. Je te dis ça comme ça juste au cas où. Hein. Mais lol. Alors bah t'es pas Lalo si c'est vraiment important, je te le dis maintenant. Bah oui c'est vrai qu'elle s'est grillée toute seule, parce qu'elle a dit que comme quoi oui c'était Lalo, mais Lalo elle est déjà VIP. Lalo elle était déjà VIP sur son compte. Ou elle l'est encore, je sais plus. C'est toi Lalo? Si, mais sur mon compte Lalo, mais pas sur ce compte. Là, je ne peux plus. Enfin bref, c'est la fin de la conversation. Ouais, je vous avouerai, voilà, je vais finir quand même sur quelque chose d'assez important à vous dire. C'est que bien évidemment, toutes les personnes qui vous demanderont des choses que moi, je l'aurais redemandé, enfin, d'accord, je sais que j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets, etc, etc. Mais si j'ai quelque chose à vous demander par rapport à un compte que je vous ai donné quelque chose, je le ferai de moi-même. Je n'enverrai pas quelqu'un. Je vous le ferai, et puis même, à un moment donné, au moment où je vous donne le compte ne m'appartient plus. Et je ne vous redemanderai plus le mot de passe, je ne vous redemanderai plus de me le redonner, ou quoi que ce soit, je ne le récupérerai plus du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne fais pas ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit rappel, hein, parce que des gens qui en ont gagné des comptes ou des vives, etc, etc, il y en a plutôt pas mal sur ma chaîne. Et que voilà, et que on en revient à la vidéo où j'avais parlé d'un certain
garçon hein, qui contactait toutes les personnes qui gagnaient à mes concours pour essayer de les arnaquer. Je pense que vous voyez tous de qui je parle. Eh bien, c'est à peu près le même délire. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous contacter parce que vous avez gagné un prix, vous avez gagné un concours pour essayer. Ça, c'est partout, hein, pas que sur MSP, dans la vie de tous les jours. Si un jour vous gagnez au loto, eh ben, vous verrez que vous aurez des rapaces autour de vous, toujours là, essayer de vous extorquer ce que vous avez gagné. Non. Il faut pas. Je sais qu'il y a des personnes très jeunes et qui peuvent être naïves et qui auraient peut-être pu tomber dans ce panneau-là. Qui auraient pu tomber dans le panneau Quinzel m'a dit de faire ci, de faire ça, donc redonne-moi le mot de passe, il faut que je vérifie quelque chose. Ça aurait pu passer avec une personne très jeune, hein. Je dis pas, hein. Franchement, je peux comprendre qu'une personne jeune puisse se faire avoir. Mais c'est pour ça aussi que je suis là, pour essayer de vous faire de la prévention régulièrement. Que ce soit sur mes lives, que ce soit en vidéo, je vous le répéterai jamais assez, je pense, parce qu'il y aura toujours des personnes qui y arriveront. Peut-être que vous avez déjà entendu sermonner entre ce genre de choses dans mes vidéos, et que vous en avez peut-être marre, mais je n'arrêterai pas de le répéter, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, et des nouvelles personnes susceptibles de se faire arnaquer par X, Y, Z. Voilà, en gros c'est ça. Mais bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déconnecter, je pense, on va aller prendre son pseudo. Ah mais la roquette, on va essayer de retenir. On va essayer de retenir. Et puis moi, je vais aller. Hop, on va se déconnecter. Et on va la contacter avec le compte Quinzel. Bonjour. Bonjour, c'est la Quinzel. Ah, là, elle m'a changé de look. J'aime bien ce look. Il est bien. Il est bien. C'est mes cheveux, ça. Ça, c'est mes cheveux actuellement dans cet état-là. Blond racine, bleu sur bleu très clair sur le reste des cheveux. J'aime beaucoup. Alors, on avait dit qu'on va retrouver la personne en question. Donc, c'était la roqueuse 2017. On va faire ça. La roqueuse 2017. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Ouais, c'est ça. On l'a retrouvée. Je crois que j'ai dans mes amis. Hein. Alors déjà, ce sera merci, au revoir. Hein. Parce que bien évidemment, hein, t'essayes d'arnaquer mes petits citrons. Mais on va quand même la contacter. Alors. On va monter en haut, voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Coucou, j'adore tes vidéos YouTube, peux-tu me répondre? Je veux te demander un truc après. Alors ça sent le truc à plein nez, mets-moi VIP. Coucou Quinzel, je t'adore. J'aimerais tant être VIP. Pourquoi tu bug? Comment on fait-on pour être VIP sur ta vidéo? Quinzel, je veux être VIP. S'il te plaît. C'est genre, je veux quoi, c'est je veux. Coucou, je participe, j'aimerais tant être VIP. Tu n'as pas fait ton live hier, tu fais un live ce soir. Réponds-moi s'il te plaît, tu fais un live ou pas? C'est pour savoir, j'aimerais bien être VIP, tu peux me le faire s'il te plaît. S'il te plaît, réponds-moi, tu es une youtubeuse, réponds-moi. Ah oui, parce que je suis une youtubeuse, donc je suis obligée de répondre, c'est ça. Oh mince. S'il te plaît. Bon, après, voilà, elle a quand même offert des cadeaux. Bon, je sais pas ce que c'est les cadeaux, hein. Mais enfin, un petit moment que j'ai pas offert les cadeaux. Quinzel, tu peux me faire VIP, coucou, coucou, tu fais VIP, réponds-moi s'il te plaît, coucou. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça quand même, hein? Je ne sais pas trop, hein. On va faire bonjour. Non, mince, j'écris comme une merde. Bonjour, c'est la Quinzel. J'ai entendu dire que tu es mon acolyte. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Eh bien, je n'étais pas... pas au courant. LOL. On va faire un énorme LOL. On va dire, formons la Team Rocket. Sinon, à part ça, est-ce que tu peux... Non, je vais pas dire, j'allais dire, est-ce que tu peux me mettre VIP, mais pour rigoler, mais bon, si elle aurait signalé mon message, hein, avec MSP, on sait jamais, hein, parce que franchement, MSP, ils sont tellement, je veux dire, tellement pas crédibles sur leur choix de blocage, hein, rappelez-vous mes vidéos où je me suis fait bloquer pour rien, là, ça donnerait l'occasion à une personne de me signaler que je me fasse réellement bloquer pour quelque chose, parce qu'il me semble qu'on n'a pas trop le droit de demander de VIP sur le game, ça, je suis pas sûre, donc je vais éviter. Donc on va éviter le est-ce que tu peux me faire VIP. Ça c'est genre le truc un petit peu ironique. Enfin, ça, est-ce que tu peux, bah sinon on va remplacer ça pareil.
n'est pas crédule. Je ne sais plus c'est quoi la définition de crédule. Alors, crédule, qui a une confiance excessive et naïve. Ouais, ça va, ça passe. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Non, à part ça, est-ce que tu parles des décès d'arnaquer les citrons? On n'est pas crédule. Merci bien. Merci bien. Voilà, ok, je vais laisser un message. Bon, je pense que j'irai la bloquer plus tard. Hein. On sait jamais si elle me répond, ça pourrait être rigolo. Mais honnêtement, hein, je pense pas... Voilà, c'est très clairement le genre de... Non, je peux pas. Franchement, c'est le même style de vidéo que j'ai fait la dernière fois, où je vous disais attention, 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 attention. Là, c'est exactement le même délire, donc... voilà, et pour vous dire que j'ai ce genre de personnes dans mes amis, ben franchement, ça m'horripile de savoir qu'il y a des personnes qui essayent d'arnaquer dans mes amis, j'aime pas du tout ça. Qui essayent de voler des comptes, eh bien, je suis grave déçue. C'est pour ça, je pense que par la suite, je ferai aussi également très attention aux personnes que j'accepte dans mes amis. J'essaierai de faire un tri. Après le tri, lorsque j'accepterai les gens, j'irai vérifier les messages, j'irai vérifier ce qui a été dit. Voilà, parce que je commence vraiment à saturer, je crois. Je commence à saturer. Enfin bon, voilà, n'hésitez pas à ajouter Miss Soa en ami, hein, bien sûr. Hein. Et comme vous l'avez vu, elle ne sera pas arnaquée, donc si vous l'ajoutez pour cette raison-là, ça ne sert à rien. Mais sinon, voilà, cette tigresse Miss Soa, elle est super gentille, elle avait gagné le concours, etc. Et merci à toi, d'ailleurs, tigresse, de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Ça m'a permis, je pense, en même temps, d'ouvrir les yeux sur quelque chose de pas net dans la communauté que j'ai, de certaines personnes qui, je sais pas. Voilà. J'en dirai pas plus. Je pense que vous comprenez ma pensée. Je pense que par télépathie, je vous transmets mes ondes sur la situation actuelle. Hein. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain live, une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous à vous.